Allez, un deuxième petit tour au marché parce que je voulais vous montrer quelque chose et en profiter pour vous parler d'une spécificité asiatique. C'est que globalement, les commerçants dans les marchés, dans les rues même carrément, sont regroupés par profession. Donc vous avez une rue où vous allez trouver des fleuristes, une rue où vous allez trouver des mécaniciens. Et là, c'est une allée du marché qui ne comporte que des vendeurs de bijoux en or. Donc là, vous avez plein de marchands qui vendent leurs bijoux et qui rachètent aussi de l'or. Donc vous pouvez vous faire acheter votre or, comme c'est écrit sur ce panneau que vous voyez là. Voilà, je sais que vous parlez couramment le russe, donc vous allez pouvoir traduire. Voilà, et on voit là qu'il y a un peu de monde quand même, peut-être plus même que dans l'allée des précédentes. Là, on voit là. Et puis là, je vous raconte pas, hein, c'est tout en liquide. Tout le business se fait directement. Mais ça se passe tranquille. Voilà. Donc, dernière petite vue des vendeurs de bijoux. Voilà, je vous laisse. C'était une autre allée et une petite explication sur l'Asie en général, ce regroupement par profession qu'on trouve à peu près dans toute l'Asie. Allez, la bise!